Pendant deux dernières années, nous avons fait des états des lieux. Côté que nous avons allé visiter des centres carcérales pour nous voir comment les détenus eux-mêmes vivent, comment la situation est. Donc pendant deux dernières années, nous avons ces mêmes bagages qu'à répéter. Ces prisons qui dégradent, côté droit, nous ne pas respecté. Et là que nous avons fait parler ensemble avec eux, nous avons répété les mêmes bagages. Pendant que ils ont toujours expliqué même bagarre, ils ont dit que ils ne mangent pour manger, ils n'ont pas de l'eau potable pour boire, ils n'ont pas de cabane en dedans pour qu'ils logent. Et nous avons écrit l'État central via le ministère de la Justice, côté que nous avons demandé pour prendre responsabilité envers les détenus, parce que c'est moi même avec tout le monde, ils ont droit même avec tout le monde, ils ont droit à la santé même avec tout le monde. Donc dans quatre batailles que nous avons menées, nous avons visité la prison au Cap, côté que actuellement on a parlé là. Prison ça, les gens qui la donnent à vivre dans une situation extrêmement grave, grave, grave. Côté que, il y a une odeur en prison ça. Côté que, les détenus pas arrêtés en paix en prison. Les mouches envahies. Même les gens qui travaillent en espace ça, ils ne peuvent pas vivre bien là-dedans. Même manger, ils ne peuvent pas manger là-dedans. Par rapport avec l'odeur ça qui est en dedans. Donc, nous voulons un message à l'État pour nous dire que les gens qui ont droit avec tout le monde. Il faut que vous preniez responsabilité, là vous arrêtez, vous preniez responsabilité envers vous parce que vous avez le droit même avec tout le monde. Le gars garde à vue qui a pris 10 à 15 personnes environ. Et je vous dis, il y a plus de 40 à 50 jeunes garçons dans cette petite chambre. Vous n'avez pas même qu'à coucher bien. C'est pour ça que nous avons proposé l'État pour que la prison Pétionville en attendant, par rapport à ces zones qui sont plus ou moins en sécurité, et que la prison là, les gens font état d'elle, les gens visiter, nous avons ces portes que le pas gagner. Nous avons ces dégradés, le dégradé. Donc, dans un bref délai, l'État a fait des réparations là-dedans pour que les détenus soient capables de loger là. Par rapport avec les juges qui n'ont pas dans le système, là. Le regardez au CAI, pas de juge. Le regardez Tigouave, pas de juge. Seulement deux grands juges. Le regardez au CAP, pas de juge. Le regardez Jacques Mel, pas de juge. Dernière grande domination de ce qui était fait, c'était sous Jovenel. Donc, après ça, sans mandat tout juge, sans finir, pas de juge dans le système. Là. Et ça a une cause que les gens ne pas respecté. Par rapport à fait ce juge qui est dans le système, là, ça a une cause que les détenus eux-mêmes souffrent en pile.